Il se passe des choses bizarres dans les caves de Paris. Résultat, je pue la sueur et la clope. Pas sûr que ce soit l'idéal pour aller voir Christophe. On est dans son antre, et donc il y a des jukebox, il y a des radios. T'es un collectionneur de postes de radio. C'est un endroit de passage. Hein. Ouais. C'est des collections que t'as constituées au fur et à mesure. C'est pas des collections, c'est des objets comme ça que j'ai eu envie de les voir se mélanger à d'autres objets. Alors ça, là-bas, c'est mon côté. Là-bas, c'est mon côté. Création. C'est là où tu fais les chansons. C'est là où je fais le son. Voilà. Ouais. Le dernier objet que j'ai acheté. Vous voulez voir le dernier objet que j'ai acheté? Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ça. Donc c'est quoi? C'est une espèce de chaussure de femme des États-Unis du 19e siècle? Je vous dis des conneries quand je dis ça. C'est typiquement français, ça. Ça, c'est un bronze. Un escarpin, vous voyez. Moi, j'aurais dit que c'était une chaussure de femme de l'Ouest américain. C'est genre les femmes du Moulin Rouge, genre 18. D'accord. Ouais, complètement. D'ailleurs, je voulais que je vous montre ce qui va, un truc qui m'a avec. Je vais vous le chercher. Ah, c'est le corset. Voilà, ça, c'est quelque chose de très, très rare. Parce qu'en parfait état. C'est un corset de femme de quoi Ça date de 1800. 90, voyez l'état, quoi. Et c'est quoi? C'est un corset que portaient les danseuses, à ton avis, des chanteuses, ou c'était les femmes normales qui portaient non, ça? On sait ça pas. C'est des femmes de comment? Ça, c'est des femmes de maison close. Ah oui, c'est ça, c'est pour les femmes de maison close. Ça, c'est maison close. Ça. Et donc toi, tu chines beaucoup, tu vas beaucoup dans des brocantes, ou comment ça se passe? Comment tu trouves les choses? Je chine plus comme avant. Ouais. Disons qu'il y a beaucoup de collectionneurs. De gens qui savent un peu ce que j'aime. Je voulais aussi qu'on revienne un peu au jukebox et aux radios. Ça, c'est ta fascination. C'est pas trop fort la musique. Non, pas du tout, c'est très bien. Ça, c'est toujours ta fascination pour l'Amérique. Ça, c'est une chose qui t'est restée, qui est intacte, ou pas du tout, ou c'est des conneries ce que je dis. Pour l'Amérique. Pour l'American Way of Life, ou pour la musique américaine, ou pour. Pour la musique, oui. Ça, c'est comment? Ça, c'est la base pour moi. Ce qu'on entend là, en monophonique. Ouais. Ça entendre un truc comme ça, ça si tu veux effectivement, c'est certains films noir et blanc, tu vois, l'après-guerre, ouais. Qu'on aime tous, tu vois, qu'on voit avec plaisir. Moi j'ai beaucoup aimé, bien sûr, les années 60 américaines, par les voitures, beaucoup les voitures, la musique. Ouais. Les objets. Ça t'est resté, c'est une fascination que t'as toujours, un goût que tu as toujours. Par contre, j'ai... Ça t'accompagne. Hein. J'ai les Américaines, tu vois, voilà une qui... Voilà une, hein, que j'avais. Tu vois, c'est une photo que j'ai faite, tu vois, une Cadillac. Ça, c'est la Cadillac 58. Cadillac 58, cabriolet. Ouais. C'est la Cadillac de la Dolce Vita. De Fellini. Ouais. Et donc, elle appartenait à un baron américain qui vivait à Cannes. Et il me l'a vendue. À ce moment, j'ai des envies de métro. Underground. Tu prends le métro? Non. La dernière fois que je l'ai pris, c'était cet été. Mais t'es pas emmerdé dans le métro? Non, elle était 10h du soir, c'était cool. Mais les gens, ils viennent pas te voir, ils viennent pas te dire. Non, regarde, comment je les regarde, parce qu'on s'observe. Hein. Ouais. On est sur Terre pour s'observer, hein.
Bon. Et alors là, tu viens aussi de passer 18 mois sur les routes, quand même, parce que tu es en tournée, grosso modo. Tu chantes régulièrement, ici ou là, depuis la sortie du précédent album. Tu vas continuer, d'ailleurs, parce que tu vas chanter, là, je crois, bientôt à Nantes. Tu seras à Paris à la fin du mois de janvier, à nouveau. Ouais, je continue jusqu'à la fin du mois de janvier. Tu seras au Palace, ouais. C'est ça, fin ouais, janvier, ouais. Pour deux dates, je crois, le 30 et le 31. Ça, ce tour, ça t'a plu? C'était bien de renouer avec ça, de cette scène ou... Moi, je parle pas de la scène, hein. Je parle d'un voyage. Hein. Ah oui, c'est ça pour toi? Ah oui, non, pour moi, c'est comment... Moi, j'ai fait ça en me disant, je vais me balader en France pendant un an et demi. Hein. D'accord. Et le soir, je kifferai en entendre de la musique. Hein. Et puis, je vais rencontrer les gens qui achètent mes... qui ont acheté mes albums avant, ceux qui achètent mes albums aujourd'hui. Je vais rencontrer, je vais... Voilà, je suis curieux. Ouais. Voilà, c'est ça. Je recommencerai quand j'aurai envie, dans ce moment où je vais rendre visite comme ça, et moi, visiter aussi. Uh-huh. J'aurai quelque chose à avoir envie de donner, quoi. Hein. Je vais pas là faire un tour de chant. Tu travailles sur de nouvelles chansons en ce moment, c'est ouais, ça? Ouais, je travaille sur un nouvel album. Et je me suis laissé dire aussi que tu travaillais à ton autobiographie, c'est vrai ça ou pas? L'idée d'écrire une autobiographie? L'écrire, c'est possible, non. L'écrire, en tout cas, c'est... publier quelque chose qui serait quelque chose autour de ta vie. C'est se raconter des choses. Ouais. Vraies. Les mettre comme ça, comme un découpage. Mmh. Un découpage. Et puis, avoir de la matière. Beaucoup de matière intéressante avec l'humour, avec des joies, des tristesses, avec tout ce que la vie, ce qu'on trimballe dans la vie, quoi. Est-ce que ça n'a pas un côté faire bilan, du coup, d'écrire ce genre de choses-là, c'est... Ah non. Ah non. Ah non. Non, faut pas confondre comment avec le prix de la SACEM. Alors justement, je voudrais qu'on en parle de ce prix de la SACEM. Parce qu'à la fois, il y a rien à dire. C'était il y a trois jours. Oui, mais justement, moi j'ai trouvé ça formidable qu'on te donne ce prix parce que c'est une très belle distinction. En plus, il y en a qui l'ont eu avant toi, qui étaient aussi très prestigieux. Donc c'est à la fois une belle distinction et en même temps, je me dis merde, ils sont en train de le mettre au Panthéon, Christophe. Ouais, et ça m'a foutu un coup. Ouais, et surtout que quand même, moi je dis toujours que je préfère l'espérance à la récompense. L'image de toi que j'ai, c'est celle du dandy insaisissable. Ça va? Si je dis ça, dandy insaisissable ou pas, ou c'est une connerie? Insaisissable, c'était, ouais, je pense que c'est vrai, parce que je suis vraiment dans mes silences et dans mes, oui. Et dans mes et dans mon univers et dans ma solitude. C'est celle-là, celle qui me fait créer. Hein, je parle de la positive comme ça. Mais j'aime aussi être sur un terrain de boules avec, dans un concours de boules, dans un petit village, avec 200 équipes qui vont jouer. J'aime tout, j'aime l'extrême. T'aimes faire la fête aussi? Bah, qui n'aime pas faire la fête? Christophe, je l'admire parce que c'est une de ces personnes rares qui disent l'essentiel dans les silences et les hésitations. Across.